sais pas, c'est peut-être une coïncidence, mais jusque dans les années 70, on ne parlait quasiment pas de l'Holocauste. Bon, en tout cas, c'était un sujet, mettons, secondaire, disons, si on veut. Et c'est curieux parce que, en fait, l'explosion de cette religion de l'Holocauste est venue de plus en plus avec l'occupation israélienne et les problèmes que cela crée. La première intifada, par exemple, qui a mis à nu le système colonial, vraiment la nature coloniale d'Israël, de l'occupation israélienne. La loi Guesso date de 1990 ou 91, c'est-à-dire à un moment où vraiment c'était la tension extrême. L'affaire de Carpentras. Voilà. La tension extrême au Moyen-Orient. Oui. Et donc en fait, pour moi en tout cas, j'interprète ça comme c'est comme le recours à l'antisémitisme et le recours à la Shoah, c'est toujours en rapport avec Israël. C'est toujours pour éviter à Israël d'être l'objet de critiques virulentes, d'être un pays qui est en train de se délégitimer pour contrer toute espèce de tentative de boycott, etc. Donc en fait, il y a toujours un élément derrière. Le CRIF ne travaille pas, parce que la communauté juive en France, elle n'est absolument pas en danger. Enfin, je veux dire, il y a pratiquement, enfin, à part quelques petits cas, par rapport aux musulmans, la communauté juive est ultra protégée, il n'y a pas de problème. Mais en fait, toute cette mascarade, toute cette dynamique de la Shoah, pour moi, elle a pour but de défendre Israël, c'est-à-dire de donner une image, finalement, d'avoir un peu pitié ou de se dire « Oh, ils ont tellement souffert !» Et puis, donc, de donner une image, de corriger l'image d'Israël. Et ce recours, il ne s'explique pas autrement, à mon avis, parce que pourquoi on ferait tout cela pour des communautés juives en Europe qui ne risquent absolument rien, ni américaines. Et donc, il y a toujours cette arrière-pensée de défendre Israël en dernier ressort.